dans ce numéro final qu'on fait, qui est un rituel, on a une maîtresse de cérémonie. Et pour moi, ça joue énormément sur le lien entre femmes, la communauté de femmes, la sororité, le partage. Moi, j'avais très envie qu'on soit une bande de filles qui font du spectacle. Certaines étaient danseuses, d'autres étaient plutôt dans le registre comique, absurde, comme Sadie. Certaines plus branchées fétichisme, SM. Moi, j'étais plus dans une veine burlesque. Et les filles auxquelles j'ai pensé, en fait, c'est elles avaient en commun d'avoir un discours sur la libération sexuelle, le corps des femmes, etc. Et comme Émilie a toujours filmé des filles assez engagées, en fait, et que ses films étaient assez engagés pour sur ces questions-là, ça semblait assez naturel qu'on ait des personnes politisées dans cette tournée. On voit beaucoup de femmes dénudées dans la publicité, on voit beaucoup de mise en scène érotique dans les films, grand public, on voit. Le sexe est partout, on parle beaucoup du sexe, et en même temps, si on est dans une société qui est toujours assez sexophobe. Et les filles qui travaillent en tant qu'actrices porno, parce que ça, je l'ai pas dit, mais on en a une deux qui sont actrices porno, il y en a même une qui a sa même maison de production. Les filles qui travaillent dans le porno, ou les filles qui travaillent dans l'industrie du sexe en général, ou comme stripteaseuses, enfin toutes les femmes qui utilisent leur corps de façon sexuelle pour gagner de l'argent, et qui ont décidé librement de le faire, parce que c'est pas le cas de tout le monde malheureusement, mais ces filles-là ont décidé de le faire, elles le vivent pas mal. Elles rencontrent quand même des stéréotypes négatifs. On pense qu'elles sont idiotes, ou que elles sont victimes d'un système et qu'elles ne prennent pas des vraies décisions. En fait, elles n'ont pas vraiment de libre arbitre. Parce que si elles pensaient vraiment clairement, elles n'auraient pas fait ces choix-là. Donc en gros, si on est sex workers, on est soit des victimes, soit des idiotes. Soit les deux. Et les filles qui sont dans cette tournée, dans le Queer X Show, ce sont des filles qui sont ni idiotes, ni des victimes. Ce sont des filles qui prennent plaisir à faire ce qu'elles font sur scène. Leur métier n'est ni plus difficile ni moins difficile qu'un autre. Je voudrais pas parler à la place des autres, mais on a beaucoup échangé sur ces questions-là. Et c'est vrai que la tendance globale dans le groupe serait de considérer que tous les métiers, que le travail du sexe serait à considérer comme un métier en fait. Et que les travailleurs et travailleuses du sexe seraient à considérer comme des travailleurs et des travailleuses avant d'être considérés comme des personnes idiotes ou des victimes. Mais là, je parle des gens qui ont choisi de faire ça.